C'est l'histoire d'un garçon né en 1903 et qui meurt 20 ans plus tard. C'est l'histoire d'un gamin surdoué qui s'ouvre comme une fleur entre un père caricaturiste et une mère institutrice. C'est l'histoire d'un jeune homme qui préfère le système solaire au système scolaire. Sur 20 ans et demi, il a passé 7 ans et demi à écrire tout le temps. L'histoire d'un affamé de littérature qui dévore les livres pour apaiser sa fringale d'émotions. C'est l'histoire d'un ado de 14 ans qui tombe amoureux fou d'une femme déjà fiancée. Raymond l'a rencontrée quand elle était en compagnie de son père et qu'elle rentrait en banlieue par le train de la Bastille. Et ils se sont tout de suite plu mutuellement. C'est l'ouverture à l'amour, mais par les sens d'abord et puis après par l'esprit. Et puis ça n'a pas duré tellement longtemps, mais ça a fait des ravages parce qu'elle était fiancée à un soldat qui était au front, qu'elle a épousé par la suite, et c'est compliqué. Sur les cendres de cet amour, Raymond Radiguet écrit « Le diable au corps ». Il écrivait sur des cahiers d'écoliers. Il a rempli 10 cahiers d'écoliers pour la première version du « Diable au corps ». Il en a rempli 12 pour la deuxième version et encore une bonne douzaine pour la troisième version. L'éditeur Bernard Grasset a repéré cet oiseau rare, qui est aussi poète, écrivain, journaliste. Il lui ouvre sa cage dorée et mensualise cet auteur de 17 ans qui flirte déjà avec les cimes littéraires. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans « Le diable au corps » et ça, Grasset en parle très bien. Il a senti que ce ne serait pas seulement un coup commercial, comme on dirait aujourd'hui, mais que ce livre allait durer, qu'il allait s'installer, et que le talent de Radiguet était aussi quelque chose qui allait surprendre, pas seulement avec un livre, mais avec une œuvre à venir. Raymond Radiguet se jette dans ce pari artistique, un pari qui s'habille de manteaux de fou rire pour tenter d'oublier les tranchées sanguinolentes et les ravages de cette fièvre que l'on dit espagnole. Il se lie d'amitié avec André Salmon, Max Jacob, Modigliani, Picasso, Valentin Hugo. Raymond Radiguet étonne, détonne, déconne. Il y a une émulation permanente parce que ces gens se fréquentent, fréquentent ensemble les cafés, vont à des soirées, mais aussi vont au cirque, à la fête foraine. Enfin, sont des amis vraiment. Ils ne se rencontrent pas que au moment de la création. On se trompe toujours quand on parle d'une génération. Une génération n'est pas, ne concerne pas l'âge. Pendant des années, nous avons vécu tous ensemble, les uns ayant 17 ans, les autres ayant 70 ans. Il n'y avait aucun rapport d'âge entre Raymond Radiguet, entre Colette, Gide, Claudel, Valérie, etc. Nous vivions comme si nous ne devions jamais mourir. Hélas, pour Jean Cocteau, Raymond Radiguet n'était pas homosexuel. Au grand désespoir de Jean Cocteau, qui faisait des crises de jalousie, mais qui était probablement aussi provoqué par la douleur, le chagrin, enfin. Raymond Radiguet ne collectionne que des aventures féminines. Il se fait la belle pendant que Cocteau souffre comme une bête. C'est très compliqué d'expliquer les mécanismes de Radiguet, qui était vraiment une grande usine de cristal et qu'il alimentait d'alcool, de beaucoup d'alcool. Avec Joseph Kessel, c'est à qui tiendra le mieux cet alcool et ce nouveau cocktail pendant que Cocteau, lui, se désespère. Ils font la fête constamment. C'est aussi une période d'excès. Après une période de tellement rigoureuse, tellement triste et tellement de privation, là, tout à coup, tout était possible et accessible. Et quand on est jeune, évidemment. Moi, je ne considère pas du tout que ce serait, que ça aurait à voir avec l'autodestruction, une sorte de suicide lent, etc., comme on l'a dit. Mais le drame couve comme une mauvaise fièvre, et même comme une sale fièvre typhoïde. Il a contracté une fièvre typhoïde en même temps que Valentin Hugo, quand ils étaient tous les deux en vacances au bord du bassin d'Arcachon. Quand le seul médecin capable a détecté la fièvre typhoïde, effectivement, il était trop tard, il est mort en 10 jours. Raymond Radiguet s'éteint, seul, à 5h du matin dans une clinique parisienne. Il ne sera pas là pour danser au bal du comte d'Orgel, son deuxième roman. C'est l'histoire de Raymond Radiguet, un génie foudroyé et dont le temps n'a pas obscurci une œuvre ensemencée d'étoiles.